Oh, il y en a marre de tous ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'assument pas leurs choix, qui ne veulent surtout pas se sentir concernés. Alors moi je dis stop, ça suffit. Ça suffit. D'abord, vous avez ceux qui refusent d'être responsables. Ceux qui disent « Ah, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas de ma faute. » Ah non, ah, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Je m'en souviens très bien. On était en réunion, tu m'as dit « Achète en Chine, j'ai acheté en Chine. » Ouais, t'as bien vu que le yuan est monté en flèche, il fallait acheter en dollars. Ah, mais moi j'ai acheté en Chine. Oh, tu m'as pas précisé en yuan ou en dollars, fallait me le dire. Et puis c'est quoi ces 1500 mètres de tuyaux? 1500 mètres, t'imagines? Ça fait deux smirmorques. Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est Geoffroy qui a édité la commande. Enfin, 1500 mètres pour faire juste un raccordement, ça t'a pas paru bizarre? Moi on m'a dit, tu passes la commande, je passe la commande. Après mettez-vous d'accord. Moi je suis pour rien, je fais ce qu'on me dit. Mais vous avez aussi les étouffeurs, ceux qui vous empêchent d'être responsables et qui veulent que les choses soient faites exactement comme ils les feraient eux-mêmes. Ah, Benoît, j'ai une mission pour toi. Il faudrait que tu me dessines les plans de la nouvelle extension. Super. Mais attention, il me les faut sur un format 1920 par 1080 avec une .03. Pour la police, tu prends un cambriard régulier corps 12. Attention, hein. Je veux les deux projets sur la même page avec un rapport de 1 à 2 pour l'échelle de chaque plan. Et la couleur? Oh, bah ça tu vois, je te fais confiance. Bah c'est quoi cette couleur? Noir. Bah non, c'est rouge qu'il faut, là on voit rien. Moi je vais te mettre ça en rouge. Voilà, là c'est rouge. Et vous avez les grincheux. Ceux qui, face au problème, ne cherchent jamais de solution. Ah bah oui, c'est pas leur problème. Ah, moi je le dis et le redis, ça ne fonctionne pas. On est systématiquement en retard. T'as regardé chez Tavex, ils ont pas des meilleurs délais? Ah non, 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 non. On va pas tout changer maintenant. J'ai déjà eu assez de mal comme ça. Et bah demande à Benoît s'ils peuvent décaler le chantier. Ah non, Benoît, je sais ce qu'il va me dire. Alors renforce tes équipes. Oublie. Le temps de les former, ce sera déjà fini. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il te faut? Bah moi je sais pas, hein. Moi je dis ce qui va pas, c'est tout. C'est tout? Eh bah c'est bien. Bah comment ça, c'est bien? Et sans oublier ceux qui n'osent rien faire, qui n'assument pas leur choix. Oui, enfin non. Disons que j'ai plus ou moins pris la décision. Enfin, c'est pas exactement ce que j'avais voulu faire. Disons. Non, enfin oui. Oui, non, c'était plus en attendant que la situation évolue. Sans pour autant s'engager dans une démarche engageante. Mais rester très ouvert. Alors moi je dis stop, ça suffit. Prenez des initiatives. Soyez impliqués. Faites confiance à vos équipes. Assumez vos choix, vos erreurs. Parce que prendre ses responsabilités, c'est tellement plus passionnant!